Venons à notre leçon. Ah, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas bien fait étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela? Et vous savez le latin sans doute? Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ce latin-là a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oh oui, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux, la seconde de bien juger par le moyen des catégories, et la troisième de bien tirer une conséquence par le moyen des figures Barbara, Celarent, Darii, Ferio, Baralipton, etc. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions et... Non, laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables. Et il n'y a morale qui tienne, je me veux mettre en colère tout mon soûl quand il m'en prend l'envie. Est-ce que la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux et nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach, pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Ainsi, dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. 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 Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. A, E, A, E. Ma foi, oui. Ah, que cela est beau! Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I, I, I. Cela est vrai. Vive la science! La voix E se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. Oh! Oh!
Oh, il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, O. Cela est admirable. I, O, I, O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un Oh. Oh, oh, oh. Vous avez raison. Oh. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U! Il n'y a rien de plus véritable. U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U. Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. 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 Oui. Ah, les belles choses, les belles choses. L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa. Fa, fa, c'est la vérité. Ah, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Et l'air en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Rah! Ra, 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 ra. Cela est vrai. Ah, l'habile homme que vous êtes et que j'ai perdu de temps. Ra, ra, ra. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute sens des vers que vous lui voulez écrire. Non, non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Ah, il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Pour la raison, monsieur, est qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que je n'en susse rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. » Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Mettre que le feu de ses yeux réduise votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour, pour elle, les violences Non, d'un. non, non, je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. » Il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on peut les mettre. On les peut mettre premièrement comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure?
Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux m'en font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Comment ? Mon habit n'est point encore arrivé ? Non, monsieur. Ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant d'affaires. J'enrage. Que la fièvre quartaine puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur. Au diable le tailleur ! La peste étouffe le tailleur. Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, je...